Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur une autre émission embarquée hein, avec aujourd'hui Loïc Blanc de LRCOP, l'énergie militante. Bonjour Loïc. Bonjour Eric Fourcault. Alors avec Loïc aujourd'hui on va partir de Saverdun et on va découvrir une centrale solaire. Alors une centrale solaire que LRCOP a inaugurée hein, le 25 juin. Oui, tout à fait, à Saint-Quier, une centrale solaire villageoise comme on dit. Alors on va en profiter aussi pour découvrir ce qu'est LRCOP, hein, LRCOP Midi-Pyrénées, puisque Loïc est responsable de LRCOP Midi-Pyrénées, et on va découvrir cette société coopérative, hein, puisque COP de coopérative. Et donc on va sur la route de Saint-Quirc. Allez, on y va. On y va. Ah, il fait une chaleur impressionnante hein, aujourd'hui, Loïc. Il fait chaud. Et alors, quand il fait chaud, est-ce que le solaire, ça tombe mieux ou est-ce que ça n'a rien à voir? Ça tombe pas forcément mieux. La chaleur, comme pour tout process, peut atténuer les effets de production du fait de la surchauffe. Oui. Donc, c'est pas forcément... Les composantes ne sont pas dans leur efficience optimale. Voilà. Donc, le soleil, oui, la chaleur, c'est pas forcément le top. Ok. Alors là, je vais tourner à droite, c'est ça? À droite, tout à fait. Je ne connais pas trop les petites ruelles de Saverdun. On en profite pour faire un coucou à Monsieur Caléja, hein, le maire de Saverdun. Oui, puis en plus, on est ici sur un territoire de ce qu'on appelle une ELD, une entreprise locale de distribution, c'est-à-dire que notamment la distribution et la fourniture d'énergie est assurée par une régie municipale. Il n'y a que 5% du territoire en France où il y a des ELD. Les plus connus, c'est... notamment électricité et gaz de Strasbourg ou de Grenoble. Mais il faut savoir qu'en Ariège, il y a quelques régies, dont celle de Saverdun. La régie municipale. Voilà, Tarascon, et on va à Saint-Quir, où là aussi il y a une régie municipale d'électricité. Okay. Alors on va parler de LRCOP. Hein. Je disais tout à l'heure que LRCOP, c'était une société coopérative. Alors déjà, on peut expliquer la genèse hein, de ce projet-là, le pourquoi de LRCOP, qui est une entreprise coopérative. National. Oui, alors la genèse, ça date en fait dans les années 2005-2007, un mouvement qui s'est créé lors de la mise en place des directives européennes sur la libéralisation du marché de l'énergie en France. Un mouvement qui s'est monté et structuré autour d'un statut effectivement particulier qui est celui des coopératives d'intérêt collectif, donc des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'idée du mouvement, c'était de dire que puisqu'il y a une libéralisation du marché, ben, on va pouvoir enfin intégrer les consommateurs, les producteurs et les collectivités territoriales ou les acteurs locaux dans les questions énergétiques, en proposant notamment une alternative à la culture atomique qu'on avait depuis plus de 40 ans, donc l'énergie nucléaire et fossile, en œuvrant pour mettre en place la première offre en France il y a déjà 15 ans, première offre d'électricité 100% renouvelable en contrat direct avec des producteurs d'énergie renouvelable. Et pour structurer tout ça, effectivement, on a choisi un statut particulier, celui de société coopérative d'intérêt collectif. On est une société commerciale, mais on associe en fait dans la gouvernance de cette structure, de cette société, toutes les parties prenantes. Les salariés, on est une coopérative, mais aussi les consommateurs, les producteurs, les collectivités locales et tout acteur en fait qui a un intérêt à discuter, on va dire, des questions énergétiques sur son territoire pour trouver comment faire pour l'intérêt général et pas pour évidemment l'intérêt de quelques-uns. Donc aujourd'hui il y a 40 000 coopérateurs, c'est ça qu'on appelle? Alors il y a un peu plus de 40 000 sociétaires, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont effectivement pris une part sociale au sein du capital d'une des 11 coopératives qu'il y a en France. Puis LRCOP, c'est un réseau de 11 coopératives d'intérêt collectif en France, le plus gros réseau de SIC, avec effectivement au total 40 000 sociétaires qui ont pris 100 euros, c'est le coût de la part sociale, et qui ont permis comme ça de financer. Donc c'est vraiment du financement citoyen. Et ces sociétaires sont appelés
à la gouvernance et sur le principe, c'est un peu particulier, sur le principe d'une personne, une voix. C'est-à-dire que le capital est décorrélé de la gouvernance. D'accord. C'est vraiment la spécificité de ce statut de société coopérative d'intérêt collectif. Donc, c'est-à-dire qu'on organise en collège de vote, le collège des salariés, le collège des consommateurs, des producteurs, des collectivités, puisque évidemment, il y a plus de consommateurs que de salariés, et donc on pondère, on va dire que les salariés ont 20% des droits de vote, enfin, pèsent pour 20%, etc. L'autre spécificité aussi, c'est qu'on est à lucrativité limitée. Donc, c'est-à-dire que notre coopérative, statutairement, 60% à peu près des bénéfices sont obligatoirement reversés, réinvestis dans l'objet social de la structure. Le reste étant évidemment validé, choisi, les choix sont faits par les sociétaires. Alors il y a deux parties, d'après ce que j'ai compris, dans Enercoop. Il y a une partie un peu bureau d'études, hein, parce qu'on va voir un peu que vous êtes aussi bureau d'études qui accompagne des collectivités pour des projets éoliens ou solaires. Et puis il y a une partie distributeur d'énergie, fournisseur d'énergie, voilà, pour les clients, qu'ils soient sociétaires, qu'ils ne le soient pas, ou il faut être absolument sociétaire pour bénéficier de l'énergie d'Enercoop. Alors l'activité historique effectivement est celle de fournisseur d'électricité. Donc pour être fournisseur, il faut aussi avoir de la production. Donc notre premier métier, ça a été d'aller acheter de l'énergie auprès de producteurs. D'ailleurs en Ariège, on a, il me semble de mémoire, 4-5 producteurs. Notamment dans le Vic de Sceaux et à Montbel, donc ils produisent et à qui on achète directement l'énergie. Et puis on a ce volet fourniture, on va fournir effectivement du particulier, mais aussi du professionnel et des grands comptes ou des collectivités locales. Et à côté de ça, on a d'autres activités, notamment Midi-Pyrénées, qui est une coopérative qui a été créée en 2015, sur les questions de production. On va aller produire nous-mêmes et donc développer nous-mêmes nos propres moyens de production pour alimenter nos sociétaires et nos clients. Et essentiellement du renouvelable, je ne sais pas si on l'a c'est spécifié. C'est 100%, 100% renouvelable. Donc le renouvelable, c'est l'éolien, le solaire et l'hydraulique et la biomasse aussi. Et la biomasse, exactement. Il y a des centrales biomasse Enercoop sur Midi-Pyrénées? Alors non, il n'y en a pas. En biomasse, elle est plutôt… alors si, elle est plutôt… si, elle est dans le Gers. D'accord, une, dans le Gers. Elle ne pèse pas beaucoup, mais elle existe. D'accord. Donc parlons un petit peu, on parlait de chiffres. On disait tout à l'heure en préparant cette émission que donc il y a 4000 sociétaires en Midi-Pyrénées, hein, mais que en fait par rapport à des mastodontes type, on ne les citera pas, vous représentez pas grand chose en matière de fournisseurs, vous êtes 1% du marché et encore, c'est ça? Non, on est un peu effectivement le petit opérateur qui ne pèse pas lourd, on va dire, financièrement, structurellement, mais qui fout un peu la pagaille dans la vision énergétique du pays, puisqu'effectivement, nous, on prône cette appropriation des questions énergétiques de par nos structurations, notre gouvernance, on va prendre notre exemple ici, et par notre valeur forte qui sont, on va d'abord placer les questions environnementales et humaines au cœur des projets plutôt que les questions économiques et de profit. En considérant évidemment que l'énergie est un bien commun et c'est aussi avant tout un bien de première nécessité qui doit être accessible à tout le monde. Et bien sûr, pour dans un monde décarboné, donc sur les scénarios très connus de Négawatt, même de l'ADEME maintenant ou de RTE, sur une France 100% énergie renouvelable. Donc on va prôner effectivement la sobriété, l'efficacité énergétique et le 100% renouvelable. Et puis il y a cet aspect un peu local, hein, on faisait une analogie avec une AMAP, hein, pour que les auditeurs puissent bien comprendre. Donc c'est comme une AMAP en fait, quelque part, on essaie de travailler localement, produire localement et diffuser localement. Exactement, et aujourd'hui on le démontre, on peut le faire, c'est-à-dire de décentraliser complètement la question énergétique en maillant le territoire par des projets adaptés à chaque territoire est différent. Pour des raisons évidemment d'acceptabilité sociale, environnementale, politique et économique. Et donc oui, un peu comme une AMAP, c'est-à-dire qu'on va aller traiter directement avec des producteurs locaux et on va impulser nous-mêmes ou travailler, accompagner des collectifs citoyens ou des collectivités sur des projets locaux en ayant en tête qu'il faille une gouvernance, on va aller par la gauche, il faut mettre en place une gouvernance locale pour bien maîtriser ces projets puisque c'est des projets quand même, un parc solaire, comme on va le voir, c'est 30 ans de vie. C'est un cycle de vie de 30 ans minimum. Donc, il faut bien s'en assurer. Et on considère, c'est bien,
ces installations comme un peu comme un bien d'équipement, comme une école, comme de la voirie. Et quoi de mieux que la puissance publique associée aux acteurs du territoire pour prendre soin de ces unités de production. Alors on va parler de votre métier un petit peu de conviction auprès des acteurs locaux pour essayer d'expliquer la démarche, parce que c'est pas simple. Là on essaie de la résumer. Oui. Philosophiquement on a bien compris l'intérêt. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là vraiment pour gérer ce bien commun qui est l'énergie. Et on sait ces derniers temps que les coûts de l'énergie, ça représente beaucoup aujourd'hui pour les Français, même la plupart des Européens, parce qu'on est en pleine crise énergétique. Qu'on comprenne bien comment vous fonctionnez avec ces collectivités locales. Alors, vous tapez à la porte d'une collectivité ou les collectivités viennent vous voir, expliquent qu'ils pourraient produire quelque chose, monter un parc solaire comme on va le voir à Saint-Cuir. Comment ça fonctionne en fait C'est un peu atypique, c'est-à-dire que notre force sont nos sociétaires. On a plus de 4000 sociétaires en Midi-Pyrénées qui d'une part nous apportent de l'argent, du capital pour nos besoins de financement et puis pour aller chercher des financements de manière, j'allais dire, tout à fait classique, mais du coup c'est quand même du capital qui est très accessible pour nous. Ils nous apportent surtout aussi de la connaissance du terrain, qui sont implantés sur les 8 départements de Midi-Pyrénées. Et du coup, ça crée un lien vraiment atypique qui nous apporte de la compétence aussi. Certains sont passionnés par les énergies ou par les questions environnementales ou les questions de participation citoyenne. Donc, ils nous aident aussi bénévolement à travers ça, vers leurs convictions, leurs valeurs. Du coup, c'est comme ça qu'on s'imprègne des retours terrain ou que nous-mêmes, on peut impulser parfois des idées et voir ce que ça donne. Et donc avec les collectivités, ça se passe, j'allais dire, presque de manière assez naturelle, parce qu'on partage beaucoup de valeurs de services, j'allais dire, publics. En tout cas, nous, on peut se définir comme un service citoyen public, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les collectivités ont beaucoup de difficultés, beaucoup de moins en moins de moyens. De faire cette alliance avec les acteurs locaux et les citoyens pour des projets vraiment de développement territorial, c'est un peu nouveau. Mais ça transcende presque l'énergie, on pourrait en parler sur la mobilité, on pourrait en parler sur la question alimentaire, parce que là on touche effectivement à notre avenir, à notre avenir énergétique, et donc de quelle souveraineté énergétique pour nos territoires. Alors là évidemment on est en Ariège qui a la chance d'avoir beaucoup de gisements hydrauliques, mais qui a aussi du gisement solaire et même un petit peu de gisement éolien. Je dis gisement explicitement parce que c'est presque un gros mot, c'est-à-dire que c'est comme si on parlait d'un gisement pétrolifère. Et c'est comme ça qu'est vue en fait l'énergie par les opérateurs classiques. C'est quel est le gisement et le potentiel de production au moment où là ça va être intéressant pour mes intérêts économiques. Et nous on va le voir autrement, c'est-à-dire il y a du gisement et comment on va pouvoir l'exploiter au mieux au service du territoire. Voilà. Est-ce que ce discours est facilement entendu par les citoyens et les élus? Parce qu'on sait souvent que d'ailleurs on va passer certainement devant un panneau qui va nous rappeler que des fois il y a des gens qui ne souhaitent pas avoir des champs éoliens ni des champs solaires près de chez eux. Parfois à l'époque c'était les barrages, produire ou une centrale nucléaire c'était encore pire. Ça a toujours été un souci. Oui, donc c'est pas simple. On est prêts tous à appuyer sur le bouton d'électricité, mais par contre, pour avoir une centrale, quelle qu'elle soit, coachée chez soi, c'est pas évident. Alors, le discours qui peut être tenu auprès d'une collectivité ou des collectifs de citoyens, il est facile à appréhender ou c'est quand même un combat de longue haleine et c'est des projets qui vont avoir du temps à rentrer en maturité pour arriver à ce qu'on va voir tout à l'heure. Sur l'acceptabilité du coup des projets, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on sort, je disais tout à l'heure, d'une acculturation de la question énergétique. Donc, je dirais que c'est comme n'importe quel nouvel équipement qu'on va installer, une autoroute ou je ne sais quoi. Les énergies renouvelables, c'est assez nouveau malgré tout. Et que c'est un maillage du territoire plus fort que, par exemple, des centrales nucléaires. Donc forcément, ça s'implante sur les territoires et souvent d'ailleurs en milieu rural, puisque les éoliennes, on ne va pas les mettre en ville. Donc il y a toute cette approche qu'il faut prendre en compte. Et donc ça crée des crispations.
parfois très légitime, parce que les projets se font sans, sans concertation, etc. Donc ça, c'est des erreurs qui ont été faites très longtemps, au début d'ailleurs des développements de projets, notamment éoliens. Mais aujourd'hui, voilà, les acteurs dont nous notamment, ça fait partie de notre ADN, on ne peut plus faire aujourd'hui de projets impactants. On sait qu'il n'y a pas d'énergie propre, on sait qu'il n'y a pas de projets qui ne sont pas impactants. Donc, il faut mesurer tous ces impacts le plus possible et voir quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour que les projets puissent sortir. Et donc, ça peut, par exemple, dire, ben voilà, on avait prévu de mettre telle puissance, peut-être qu'on va réduire parce qu'au niveau du territoire, ça fait plus de sens. Et c'est pour ça que, du coup, là, la logique économique n'est pas dominante. Ça va être vraiment l'intérêt collectif qui doit être dominant. Donc, on est conscient hein, de ces freins. Et en même temps, bah, le citoyen aussi doit se remettre un peu en question. Hein, ce qui est, en même temps, je consomme de l'énergie. J'ai de plus en plus besoin d'ailleurs d'électricité parce qu'on électrifie, comme on dit, les usages de plus en plus. La preuve, la mobilité électrique. Et cette énergie, il faut bien la produire quelque part. Oui. Et il faut bien qu'elle soit aussi décarbonée. Donc, il faut des nouveaux moyens de production parce qu'en France, on n'a pas assez de moyens de production d'énergie renouvelable. Et donc, il faut bien les développer et les mettre quelque part et ça s'installe sur les territoires. Après, dans l'idée aussi, on va voir sur ce projet-là solaire, c'est que la production, elle soit consommée localement hein, par les gens du village et que le projet soit dimensionné en fonction de la taille du village aussi. Alors, c'est assez nouveau. C'est en fait la question des circuits courts d'énergie, c'est-à-dire déjà de rapprocher le plus possible le consommateur du producteur, mais aussi, puisque physiquement, faire en sorte que les moyens de production soient le plus près possible des lieux de consommation ou adapter en tout cas à un périmètre de consommation. Oui, parce qu'on rappelle que quand même le transport d'énergie, oui. Ça a un coût. Ça a un coût. Il y a une déperdition assez phénoménale. Exactement, hein. Exactement, il y a une déperdition. Donc aujourd'hui, les schémas pris notamment par les grandes multinationales, c'est de faire des grands projets dont il va falloir transporter l'énergie vers les lieux de consommation qui, pour je rappelle, sont soit des sites industriels, soit des grandes métropoles. Donc effectivement, ça a un gros impact au niveau de l'implantation des projets, ça a un impact sur le réseau. Et puis, il faut le raccorder au réseau. Et il faut aussi le raccorder, donc ça demande des investissements pour renforcer ce réseau qui n'est pas adapté, en tout cas, à un maillage du territoire. Et nous, ce qu'on va plutôt faire, c'est des projets. Alors là, j'en profite plus pour petits, dire qu'on est à côté de la fameuse forêt d'eucalyptus, c'est ça Forêt d'eucalyptus de Saint-Clair, qui est à peu près sur 10 hectares, qui est assez unique sur le territoire. C'est vrai, oui, c'est assez rare. On continue, donc sur le. Je m'excuse. Nous, notre approche est plutôt de dire. De mailler par des petits projets de l'ensemble du territoire, c'est beaucoup plus résilient aussi. S'il y a une unité de production qui ne fonctionne pas, il y en a d'autres ailleurs. Et puis, c'est moins impactant pour le réseau, puisque c'est de suite effectivement absorbé par le réseau, ça s'adapte un peu plug and play. Et ça va pouvoir, du coup, physiquement être consommé au plus près. Il n'y aura pas besoin de le transporter très loin. Maintenant, on arrive aussi à faire des montages où on va vraiment faire un circuit court au niveau financier et juridique en faisant des boucles locales d'énergie où vraiment la production des moyens de production va être vendue pour partie dans un périmètre de 2 km aux habitants ou aux collectivités ou aux entreprises, ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective ou de l'autoconsommation territoriale. Et ça, on est assez pionnier et assez, moteur sur ce type de production et de consommation. On appelle ça aussi, ce qui est en train de se développer, ce qu'on appelle des communautés d'énergie, qui vont permettre de produire en fait localement une partie du besoin que j'ai. Ça ne veut pas dire être en autarcie, hein, ce n'est pas la même chose. On ne se coupe pas du réseau. Je vais à gauche, c'est ça? On va aller à gauche, oui. On passe devant l'église. L'église de Saint-Quierre, on va descendre au village. Et donc, le projet de Saint-Quierre est dans cette philosophie. Alors, pour l'instant, il n'est pas dans cette philosophie. Pour l'instant, l'entièreté de la production va être vendue au fournisseur Enercop, qui lui va ensuite revendre cette énergie à l'ensemble de ses clients et sociétaires. C'est une autre manière de faire un circuit court. La particularité de ce parc, c'est que l'énergie, elle est vendue sur la durée de vie. Donc, c'est un contrat de 30 ans à un coût le plus juste possible, à la fois pour
le producteur qui est pour le coup Enercop Midi-Pyrénées et le fournisseur qui est Enercop et bien entendu les clients d'Enercop. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas du tout adossé au marché de l'énergie. On va être sur un coût de production qui est le plus juste et équitable pour tous, le plus équitable possible pour tous, pour toutes les parties prenantes. Là, on va aller à droite. À droite. Avec Saint-Kirk. Il y a beaucoup de Dan. Voilà, sécurité des habitants, hein, puisque les gens ont tendance à aller vite sur cette route. Mais il y a une école. Souvent, il y a une école en plus. Donc voilà, donc c'est au-delà de participer à mettre de nouveaux moyens de production sur les territoires, on apporte aussi un nouveau modèle pour les penser, pour les organiser et pour les gouverner sur du long terme et en essayant effectivement d'être dans une logique long terme et non pas hyper capitalistique, court-termiste. Les énergies, c'est pas un placement financier, voilà, c'est pas un actif dans un bilan comptable. On va tout droit encore. Et ce sera, je crois, la prochaine à gauche. Alors, qui a investi dans ce qu'on va voir là dans quelques minutes? Alors, c'est essentiellement nos sociétaires à travers le capital qu'ils ont apporté. Et le terrain appartient aussi à... Alors non, on n'achète pas les terrains. Nous, on va essayer d'aller sur des terrains déjà qui appartiennent à la puissance publique, donc généralement des terrains communaux ou de communautés de communes. Ce sont souvent derrière des terrains qui sont évidemment anthropisés, hein, donc soit des anciennes décharges, dépôts. Il y a plein de typologies de terrains qui ne sont pas cultivables ou qui ne sont pas en tout cas en agriculture. Et donc on va rémunérer évidemment sous forme de loyer, mais très modeste, la commune ou la collectivité. Et ça leur permet quand même de valoriser un foncier qu'ils avaient un peu oublié parfois et dont ils ne faisaient rien, ce qui était notamment le cas ici. On y arrive bientôt. On va voir ça. Et même sur ce type de projet qui sont des petits projets, on la découvre à peine en fait, elle est toute petite. L'intégration paysagère est toujours travaillée. Et on essaie surtout toujours d'impliquer le territoire. Donc même sur ce type de projet qui ne demande pas de permis de construire spécifique, qui ne demande pas d'études environnementales ou autres, on va toujours faire des réunions publiques, intéresser la collectivité, intéresser les habitants. Et pour revenir à ta question de qui effectivement investit, en fait tout ça appartient à la coopérative. Donc chaque sociétaire est copropriétaire de ses moyens de production. Je peux me garer là ? Oui, on va se garer devant. Et chaque sociétaire peut abonder en capital social ou aller sur un véhicule financier qui est un peu particulier au monde coopératif, ce qu'on appelle des titres participatifs, qui sont une sorte d'obligation où on peut placer de l'argent pendant 7 ans et cet argent va être rémunéré tous les mois et aussi abondé avec un autre taux d'intérêt qui lui est variable selon certains objectifs que se donnera la coopérative. Bon, ben là on va aller visiter la centrale de Saint-Kirk. D'ailleurs, je permets juste de me préciser que sur cette question du financement, notamment Enercop Midi-Pyrénées est labellisé par Finansol, qui est le seul label indépendant en France de finance solidaire. Donc il garantit la transparence de qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui nous est confié par les citoyens, les collectivités ou autres, et qui est notre capital et comment on l'utilise, etc. D'accord, merci d'explication. On va visiter tout ça et on va rentrer peut-être un peu dans le détail de comment ça fonctionne. Hein? Allez, on sort de la voiture. Allez, on est parti, on ferme la porte. Donc là, on a une espèce de bruit quand on arrive. Ouais. Il s'agit de quoi exactement? Ce sont des milliers de criquets qui battent leurs ailes pour refroidir les onduleurs. Ah. Non, en fait, ce qu'on entend, effectivement, ce sont les ventilateurs des onduleurs qui sont tous concentrés ici, dans cette boîte, qui est sans fondation ni rien. Il n'y a pas de béton, hein, tout est posé comme ça au sol. Et plus il y a du soleil, peut-être qu'on va l'entendre là, s'il y a une augmentation de plus de soleil, là, on verra qu'il y a plus de puissance produite, donc il va y avoir plus de refroidissement. Donc là, on produit combien?
Alors là, on va produire, donc c'est un parc solaire de 200, d'une capacité de production, d'une puissance pardon, de 250 kW crête, qui va produire à peu près plus de 300 MWh par an. D'accord. Donc c'est vraiment un petit parc solaire. Il est sur une emprise de moins de, d'à peu près 4000 m2, donc c'est moins d'un demi hectare, c'est tout petit. Donc y a, c'est pour ça qu'en fait, il y a vraiment très peu de besoins d'études environnementales, comme sur les grands projets solaires dont on parle très souvent. Là, c'est un petit parc qui va produire en plus pour l'équivalent d'à peu près 250 personnes. 250 personnes, on compte sans évidemment le chauffage. Et alors, ce qui est intéressant ici à Saint-Quier, dans le village qui est juste derrière, c'est que le village aujourd'hui, il y a à peu près 385 habitants. Donc le parc va produire à peu près 60% des besoins des habitants. Des habitants. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très concret, puisqu'on peut, on pourra le voir, et si on se décale un petit peu, l'énergie, elle est produite sur les panneaux, elle va aux onduleurs qu'on a vu là, et ensuite, ça part sous terre pour se raccorder au réseau. Et l'avantage, c'est que comme c'est une petite puissance, il n'y a pas besoin de renforcer le réseau. Et donc, nos choix d'implantation, notamment, ils vont faire attention à ça. Ils vont voir où sont les points de raccordement les plus optimums pour éviter de faire des kilomètres de câbles, d'une part, savoir s'il y a un besoin ou pas de renfort de réseau. Et ici, on a la chance d'avoir une ligne qui nous permet, et on le voit, d'être un peu plug and play, c'est-à-dire que on voit un peu deux petites courbes de câbles comme ça qui viennent... C'est la centrale d'ici. C'est la centrale d'ici qui... Donc, pas besoin d'avoir construit un réseau particulier, bon, sauf quelques mètres, pour se raccorder à moyenne tension. Et sachant que, comme on dit, la puissance produite qu'on va injecter, elle peut être accueillie sans devoir aller renforcer le poste source. D'accord. Ou de choses comme ça. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit un peu l'intérêt, en fait. C'est d'avoir une petite unité qui ne prend pas beaucoup d'espace, qui est implantée sur un terrain anthropisé, qui ne demande pas de renforcement réseau, et qui va finalement voir son énergie transportée et consommer physiquement, localement, très rapidement. Donc Loïc, on a fait un petit tour rapide, ça fait 20-25 minutes qu'on parle d'EnercoP, l'énergie militante. Moi, une interrogation, c'est EnercoP en Ariège, on en a un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres projets dans l'avenir? Est-ce qu'on peut être client d'EnercoP? Voilà, je voudrais savoir un peu tout ça. Ce type de parc, par exemple, ce qu'on appelle des parcs citoyens et villageois, à taille villageoise, aujourd'hui, on en a 10 en exploitation et on en aura 17 à la fin de l'année. Et on en aura encore 10 de plus en 2023. En fait, on a beaucoup travaillé depuis quelques années en coopération avec les acteurs publics, notamment les syndicats d'énergie, les collectivités locales, qui au début ont regardé un peu ce qu'on faisait, etc. Et maintenant, sont très preneurs de ce type de projet. Et on a conventionné avec la majorité des syndicats, par exemple, d'électricité et d'énergie en Midi-Pyrénées. Et on déploie ce type de parc sur pas mal de territoires. Soit on le fait nous-mêmes, soit on le fait même des fois avec des collectifs citoyens qui ont eux-mêmes créé une dynamique locale et qui s'approprient et s'emparent de ce type de projet. On voit bien, ces panneaux solaires, on peut les toucher. On voit que c'est très simple. Ici, c'est du pied battu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de béton. Donc, ce sont des parcs qui sont très vite réversibles. C'est des questions qui reviennent souvent aussi. Mais ces panneaux solaires, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, ils vont être recyclés à terme. C'est déjà prévu, en fait, dans les énergies renouvelables. Tout ça est très réglementé. Et tu parlais d'autres projets. On travaille sur des projets un peu plus gros, en termes là, sur des parcs de 4 ou 5 mégawatts. Mais toujours dans une même logique d'implication du territoire. Donc on va tout de suite associer les habitants, les communes, etc. aux réflexions. On a deux projets, notamment dans le Lot aujourd'hui, dont un qui va entrer en enquête publique. Et puis on accompagne des collectifs sur des projets plus importants. Ici on est à Saint-Quier. On est à la limite avec la Haute-Garonne. Il y a un petit projet qui a fait du bruit, et qui n'est pas un petit projet puisqu'il est impactant, c'est un projet éolien. Dont une partie de ce projet a été fait en co-développement avec un opérateur industriel et un collectif citoyen qui porte notamment un mât, comme on dit, donc une éolienne de à peu près 3 MW de puissance et dont on attend l'autorisation préfectorale dans les mois à venir, qui est un projet par exemple qui a mis plus de 12 ans à se mettre en place. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'il faut qu'on s'interroge sur les impacts, et ils sont réels, des énergies renouvelables. Mais il faut le remettre aussi au regard de toutes les autres infrastructures qu'on utilise, nous, simples citoyens, dans notre quotidien, faire la balance. Et je pense que
Il faut vraiment s'axer sur la sobriété énergétique, mais même, j'allais dire, dans nos déplacements, dans notre alimentation, sur l'efficacité et bien sûr sur le renouvelable, parce qu'on sait que le gisement du soleil aujourd'hui, une fois qu'on a fait l'installation, c'est 30 ans de production sans prendre aucune ressource de plus à la planète. Et juste savoir que le retour énergétique de ce parc solaire, c'est moins d'un an. Voilà, on a à peu près, on va dire, un an, le retour énergétique, c'est-à-dire l'énergie qui a été nécessaire à le produire les panneaux, à les transporter, à construire le parc, jusqu'à sa mise en exploitation. Dans un an, ce parc aura payé son prix énergétique. Voilà. Okay. Ben en tout cas, merci Loïc, hein, c'était vraiment super. C'est vrai que c'était un sujet ardu. Hein, oui. On peut rapidement rentrer dans les choses compliquées. Et donc, vous pouvez devenir sociétaire, prendre une part sociale. On fait des formations à nos sociétaires, on fait de l'éducation populaire, on fait des journées ambassadeurs, comme on dit, donc ils peuvent venir, ils posent toutes leurs questions. Mm-hmm. On est totalement ouvert, transparent. Il y a un site, c'est enercop.org. Voilà. Il n'y a pas de tabou. D'accord. Chez Enercop, c'est un peu la force, on parle de tout. Et pour ceux les plus motivés, ils peuvent même rejoindre des groupes locaux s'ils veulent. Ils peuvent candidater au conseil d'administration s'ils veulent venir administrateurs. Voilà, il y a vraiment tous les espaces. On voit la force de l'engagement citoyen d'Enercop et de Loïc Blanc. Merci. Bon, pas tout seul. Merci Loïc en tout cas de nous avoir conduit jusqu'à Saint-Cuir. On a un peu découvert cette petite centrale qui est très sympathique et en plus c'est un jour de grand soleil, hein. Donc je pense que ça doit effectivement, les grillons là ils sont en train de fabriquer des kilowattheures et donc c'est un peu l'objectif du parc. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Eric et Azinat, vous êtes intéressés. Merci à tous. Merci.